Atteindre au nord Orlando. D'accord. Attends, on m'a prévenu. Est-ce qu'il est où? Il faut que j'ai le truc. C'est ici, il paraît qu'on peut choper l'enfoiré de gars qui a merde. Qui a tué la gardienne là, de feu. D'après ce que j'ai compris, si on bute. Putain, j'ai 54 000, j'avais même pas vu. Putain, il faut vite que je. Ah, ils ont pas l'air agressifs. D'accord. Bah écoute, bah si tu m'attaques pas, t'es gentil. Voilà, je t'aime bien. Bon, une fois, une grosse bestiasse qui fait la taille d'une porte qui veut pas ma peau. Alors dites-moi qu'il y a un feu, s'il vous plaît. Tiens, oh, bonjour messieurs. Ça a l'air d'être une jolie statue. Je vais pas déranger, je dérange pas. On va les laisser tranquilles. Hein. Ça se trouve, en plus de ça, c'est peut-être le fait que je fais pas de bruit. Qui fait que je me suis pas fait choper. Oh, okay, mais... Attends, tu es qui toi? Attends, d'abord je... Allez, elle a disparu. Bonjour. Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo. If you seek Lord Gwyn's old keys, exit here. And heads, if you are the chosen one, what follows thereafter? Je peux refaire mes fioles de cestus, oh merci mon dieu. Ah, t'as gardé du feu nécessaire, d'accord. Oh là là. Monsieur? Est-ce que je peux passer, s'il vous plaît? Est-ce que je peux passer? D'accord, d'accord, d'accord! J'ai compris! J'ai compris! Ah non, attends, peut-être qu'un seul. Ah non, voilà, il va me suivre. Alors attends, ce qu'on va faire? Voilà, on est insolent. Le pouvoir de l'épée draconique, fils de pute. Qu'est-ce que c'est que ce bin? Ça c'est une porte de Stargate? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas signé pour ça moi. Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est? Examiner la lumière. Scellé par le pouvoir du grand seigneur. Ah, je crois que c'est par là qu'il faudra aller pour la toute fin du jeu. Bon, ben je me souviens de cet emplacement. La nouvelle, c'est que vu que je suis hors ligne, malgré le fait que je sois humain, je ne serai pas envahi par des joueurs. Je ne peux être envahi que par des PNJ. Donc du coup, c'est le côté pratique. Et je peux appeler des PNJ. Donc j'espère que je pourrai appeler Solaire, mon copain Solaire. Compris. Alors, qu'est-ce que... Nous avons donc un copain gargouille. Regardez-moi ça, il vient jouer. Voilà. Ah, c'est plus dur quand on n'y va pas à deux. Ta mère. Qu'est-ce que... Bah, d'accord. Moi, je veux bien accéder à la suite, mais je fais quoi? Je me suicide? C'est quoi ça? Oh, oh, je me souviens. Je me souviens de votre petite arnaque, bande d'enfoirés. Il faut passer sur ces trucs-là. Là, il y a une espèce de... Qu'est-ce que c'est? Il y a un escalier. Il y a un petit escalier. Peut-être deviner les petits amis, je me souviens avoir vu dans la vidéo. Sans déconner, j'aurais pas vu la vidéo, je saurais pas où il faut aller là. Oui, non mais, oui mais c'est bien ça. Depuis tout à l'heure on glisse sur des putains de surfaces. Là on a un truc pentu, c'est impossible de tenir dessus, encore moins en armure lourde. Et on y va. Y'a aucun souci. Pas de problème. Là je suis sûr que si on tombe sur les toits, on glisse comme des merdes. Mais enfin, il y a donc une fenêtre ouverte, ça tombe bien. Oh. Voilà, je me souviens, enfin je me souviens non pas d'eux, mais je me souviens de la vidéo en question où je les ai vus eux. Voilà. Le problème c'est que eux peuvent être très très chiants. D'accord, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'il faut passer? Ah là au-dessus, il y a une échelle. J'ai envie de taper tous les murs pour être sûr que c'est pas un passage secret. Alors, qu'est-ce que c'est que ce délire maintenant? Voilà, on est donc suspendu au-dessus de grandes poutres. Voilà. Ah, des couteaux de lancer, c'est toujours utile. Tu peux tomber, vas-y, vas-y, tombe. Fais Assassin's Creed. Voilà. Alors. Voilà, voilà. Tout va très bien, du premier coup, je suis fier de moi, du premier coup, j'ai réussi à passer du premier coup.
Alors par contre, le souci là, c'est que... Oh, pourquoi il y a un truc à ramasser ici? Quoi? Quoi? Ah! Zut. Voilà. Fous-moi la paix. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? On va boire une potion. Ah, mais ils font mal! J'avais pas vu, mais oui, ils font très mal! Ma vie est pas partie toute seule, hein! Non, malheureusement. Ok, ce lieu ne servait donc à rien. J'imagine que c'était pour les mecs qui nous envahissent, les trucs dans le genre. C'est rigolo, hein? Alors, traverser le bruit. On se tape déjà un boss? Non, ça a l'air d'aller. Ok, attends. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mégalith, ça ne bouge pas. D'accord, tant pis. Mais j'imagine que... Ah oui, c'est pas pour remettre justement le truc droit, ça. Alors attends, avant de faire n'importe quoi, j'aimerais descendre. Oh, regardez-le. Ah, c'est con hein, d'être bloqué. Ah là là, par les règles du jeu, regardez-le. Tu es magnifique. Allez. Je te laisse là, je viens te tuer à la main, noob. Alors ça tourne tout seul. Donc voilà, là en fait qu'est-ce que ça a fait? Ça a juste ramené... Ouais voilà, voilà, d'accord. Donc maintenant on peut traverser le pont directement, on n'aura plus de soucis de ce côté-là. Tu n'as pas l'impression de taper dans le... Ah. Tu as eu mal? Aïe. Non, là c'est moi qui ai mal. N'exagère pas. Arrête de tout ramener à toi, franchement c'est égoïste. Et arrête de descendre quand je te parle. Je crois que la suite logique des trucs est en haut. Donc du coup on va pas y aller maintenant. On va se contenter de venir ici pour le moment. De voir un petit peu ce que l'on a ici. Qu'est-ce que c'est que ce... Oh. Oh le gentil. Oh le gentil. Voilà. Marche à l'ombre. Oh putain. On a toute une armée. Alors ça a l'air d'être ok. On va faire sympa hein. Oh. Mais comment je peux mourir ici? Mais que je me déteste. Mais que je me déteste. Bon, l'escalier a été bougé, donc il n'y a plus besoin de... on va pouvoir venir le chercher facilement. Ah, ça, très bien. Des trucs de fer noir. Ce serait pas justement une putain de méga armure, ce truc? Oh, mais je crois que c'est le... Tarkas, fer noir, un chevalier connu pour sa grande force, fait de noir spécial, il protège contre les attaques de feu. Forgé d'un fer noir spécial et procure une protection excellente, notamment contre le feu, même s'il est lourd que seul Tarkas lui-même peut le porter avec aisance. Nous sommes toujours le chevalier sanglier. Nous avons juste une meilleure armure. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Attends, mais je vois qu'il y a plein de trucs à récolter, mais je sais pas comment on fait pour aller les chercher. Qu'est-ce que... Ils nous embêtent pas, c'est bon? C'est pour plus tard? C'est ces merdes là qui font ce bruit. Ah mais c'est pas les saloperies. Oui, c'est les saloperies qui m'ont emmené ici. Oula. Je l'ai vu bouger celui-là. Ah, il y a deux gardes. Bonjour. Non. Voilà. Ça, c'est fait. Il y a le monsieur qui m'attend de l'autre côté de la grille. Qu'est-ce que tu veux? Ah mais évidemment t'es pas tout seul tant qu'à faire. Alors juste au cas où, j'aimerais bien vous avoir un par un. Voilà. Vous pouvez faire ça s'il vous plaît? Ouais, tu frappes à travers une pierre là. Ah, ils craignent bien le feu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas utilisé une bombe.
Voilà. Une lance de démon, pourquoi pas. Viens me voir toi mon petit, viens me voir. Putain ta gueule. Voilà. Ah, il y a un chemin là, on peut y aller là. Ah oui. On peut y aller. J'ai plus qu'une seule fiole de cestus, mon dieu. Oh putain, il y en a deux, mais merde. Ta mère lâche moi. Oh putain. Bah, quoi? C'est quoi ça? Un parasol? Oh putain, c'est les fameuses... C'est les fameux parasols. Putain, mais ce sont des flèches. Ça, c'est des flèches tirées par des putains d'archers. Fais chier. Attends, est-ce que je pourrais pas tenter? Je les vois pas en plus, ces salopards. Je vais me contenter. Ouais, mais non, mais pas avec les lanceurs de... Oh putain, tu... Mais regardez-moi la taille de ces flèches. C'est pas des flèches, ça. Je proteste, c'est pas du tout des flèches. Putain, heureusement j'ai mon bouclier. Oh, ta mère, j'ai tapé avant. Oh mais merde, on tape dans le vide maintenant, c'est de mieux en mieux. Oh putain. Non mais... La putain de toi. Alors, comment je fais pour passer ces connards? Attends, regardez-les là, vous les voyez là en haut à droite? C'est quoi ces putains de flèches à tête chercheuse? Regardez-moi ça. Comment je suis supposé... Regardez-moi la taille de ces flèches. Mais flèches mon cul, c'est pas des flèches ça. Putain allez, vite. Voilà, yeah. On y arrive. Voilà. Ah putain mais si... Mais... Putain mais je vais vous apprendre le concept de la flèche bordel. Oh putain de... Non. Ah putain. Oh, t'es sérieux? Putain mais dans mon dos, il y a l'autre con. Putain mais... Oh mais en plus j'étais pas mort. Il est où l'autre con? Regardez-le, il est pile dans le coin. Putain mais allez vous faire voir. T'as... Putain. Faut vraiment faire gaffe avec le mort. Oh putain. Voilà. Putain. Ah, ça fait du bien. Alors je vais même pas essayer d'aller tuer l'autre là-bas, moi je passe. J'en peux plus moi de vos conneries, j'en peux plus. Putain mais des archers, putain. Putain mais allez vous faire voir. Ok, bon je pense qu'il faut descendre ici. Oh putain, filez-moi un feu, je vous en supplie. Je veux pas tout recommencer. Un feu. Donnez-moi un feu. Un feu s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'en fais plus. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bonjour. Ah, alléluia. Mais double miracle. Solaire, qu'est-ce que tu fais là? There you are. You've been quiet these days. Smooth summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining, you've left me with quite an impression. Tu as hâte de me prêter main forte. Et j'ai plusieurs médaillons, mec. T'es content? You really are fond of it if I didn't know better. Oh no, dear me, pretend you didn't hear that. Fais comme si vous n'avez rien entendu. Oh, y'a pas de soucis. Oh putain, un feu! Un feu, bordel! Mais vous imaginez, j'ai passé 3 jours sur cette putain de zone à essayer de passer ce putain de pont avec ces connards qui arrivent à nous balancer des parasols Castorama à la place de leur putain de... Tiens, viens là, toi. Viens ici, je m'en fous, j'ai un feu à côté. Hein? Ah merde. Voilà, je me disais bien. Ah c'est con hein quand on n'a pas la putain de... Aïe. Quand on n'a pas le putain de vide intersidéral derrière. Ainsi qu'un pote qui peut vous prêter main forte. Hein? Ça fait quoi de te battre contre un putain de level 51, fils de ta mère?
Là. Ah putain, qu'est-ce qu'on a là? 3 médailles solaires. Ah. D'accord. Pourquoi pas. J'aime bien parce que le lieu est très... Bon, attends, 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 attends. Ah, j'en étais sûr. On pouvait... Je me disais que c'était pas normal qu'on pouvait passer. Je vous l'ai dit, j'ai découvert qu'il y avait plein de passages secrets. Donc là, il y a une espèce d'accès au sous-sol. Putain, ça respire plus. Ça respire plus. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que c'est? Il faut faire comme Zelda, faut regarder en l'air. Il y a des coffres. 4 coffres. 5. Non, ça pue. Mec, il y avait une grosse respiration. Ça pue. Où est-ce qu'il... Putain, il y a... Oh, merde. Oh. Quoi? Ah non, j'ai cru... Mais non, ils ne sont pas déplacés. Alors, on va bien voir. Jambière de Havel. Gantelet et jambière de Havel. Ah, mais c'est pas l'armure la plus puissante du jeu, ça? 92. Combien il fait de poids? 56. 15. Ah putain, il pèse un peu plus lourd par contre. Ah par contre, ouais, c'est trop lourd pour moi, merde. Oh, fait chier. Merde. Ah, par contre, si j'enlève le casque, ça va mieux. Ah, mais si j'enlève le casque, je n'ai plus la magnificence du chevalier sanglier. Si j'enlève le gantelet... Ouais, mais non, les gantelets, ils m'apportent suffisamment de merde, d'accord. Bon, bah voilà, je sais quoi améliorer pour le moment. Je vais garder l'armure de fer noir pour le moment. Et je vais améliorer ma... mon système de port. Le bouclier... Une dent de dragon. Ah, pourquoi pas. Ah, c'est quoi ça? C'est... La vache! C'est une mimique! C'est une putain de mimique! Putain, je savais que ça existait, je pensais pas qu'il y en aurait ici! Une mimique! Elle nous a relâché en plus, la conne. C'est ça qui respirait! Oh la vache, cette grande jambe, c'est merde. C'est ça qui respirait, cette saloperie! Le voilà, le putain de monstre qu'il y avait dans la putain de cave. On a plein d'âmes, si... Bah non, oui, non, c'est pas plein d'or. Mais dans les jeux, généralement, c'est de l'or, en fait, qui crache les mimiques. Mais là, est-ce que ça va être plein d'âmes? 2000 âmes? Oh, je suis déçu. Un gourdin occulte. Putain. Heureusement que j'avais assez de vie. Oh, je suis trop content de moi. Alors maintenant, c'est décidé. Je me suis fait avoir une fois, je me le referai pas. Je tape les coffres avant de les ouvrir. Ah ah! C'était aussi mimique! Ce serait pas lui. Si, c'est lui. Regardez ces flèches! C'est normal qu'elles se redirigent en plein de... en pleine direction? Alors attends, merde, non. Là, c'est un arbre. Ah non. Je vais... On va aller voir le monsieur qui est là-bas. Ah non, bah d'accord. Voilà. C'est mal? J'espère. Voilà. C'est tout ce que j'ai à te dire. Foiré. Alors, ça mène où cette histoire là? Il y a aucun son, j'adore. Putain, mais il y a même pas de vent. Les étages. Ah non, c'est un autre. Oh, il m'a l'air gentil. Ah mais oui, c'est le chevalier oignon là qu'on avait rencontré dans le truc. Ah mais oui, c'est... Ah merde, maintenant je sais pas, je crois que je voulais pas montrer dans la vidéo. Que faire? Qu'est-ce que t'as? Ah, let me guess. Where you look out. Putain. On trouvera un moyen de surpasser cette épreuve. Bah tu veux pas combattre avec moi? Bonjour.
Attends, juste au cas où. Je veux pas rentrer. Je veux faire ça, voilà. On va attirer les mecs. Je vais essayer la lance de foudre un peu sur eux là. Ah, ça leur fait pas plus de dégâts que ça. Ah, il y a un troisième planqué derrière! Quelle bande de... Attends. Ah, merci. S'il te plaît, un peu de respect. Viens avec moi, viens avec moi, viens, viens, viens. Ah mais remarque, mais oui, mais j'y pense, ce connard là, il pourrait pas nous aider? Est-ce que ça te suffit? Gros bibadum. What's on your mind? C'est très truc, hein. Vous avez vaincu ces monstres. En tant que chevalier de Katarina, je salue votre courage, je veux y accepter ce témoignage de ma gratitude. Qu'est-ce que tu m'as donné? Un autre du petit tête. Mais attention, l'héroïsme pousse à prendre de grands risques. La prochaine fois, laissez-moi le temps de mettre au point un plan. Mais tu te fous de ma gueule? T'aurais pu m'aider au lieu de me regarder bailler aux corneilles, enfoiré. Alors, un autre du petit tête, qu'est-ce que c'est? Légère augmentation des PV. C'est de la merde. Ah, ça fait du bien de réussir. Après tout ce temps à me prendre des échecs sur la gueule, nom de Dieu, ce que ça fait du bien d'y arriver. Aïe, 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 bon. Du coup, c'est quoi ça? Ça, pourquoi ça nous fait descendre? Quoi? Attends. Ah, je crois que c'est l'autre partie de l'escalier qu'on n'avait pas accès. C'est ça, c'est toujours l'escalier, oui, mais voilà, c'est... voilà. Ok. Il y a l'air d'avoir le démon. Alors, on va le laisser 2 secondes. Là, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose d'utile? Voyons voir. Ah bah tiens, c'était la salle avec le monsieur. Tiens, on va aller les voir. Avant d'aller affronter le démon, eux ils sont déjà un peu plus... Merde, il y en a un. Monsieur? Si vous ne venez pas, je vais être obligé de tirer, monsieur. Tant pis pour toi. Ah bah fallait venir. Là le bon point. Alors attends, on va taper un seul. Ok. Casque du chevalier d'argent. Oh, est-ce qu'il me lâche si je suis totalement chevalier? Attends, juste par... Attends, je veux juste vérifier. Est-ce que... Ça se trouve, il me fout la paix si je suis totalement en chevalier d'argent. D'ailleurs, est-ce que... Non, elle est pas plus puissante. Par contre, est-ce qu'elle est moins lourde? Elle est beaucoup moins lourde. Alors, attendez, on va faire un test. Je vais me mettre en tenue de chevalier d'argent. Si ça se trouve, les mecs, ils vont nous foutre la paix. Oh, qu'est-ce que t'es laid. Bon, c'est pas... On va dire que ça suffit. Alors, est-ce que là, j'ai ouvert justement une porte qui était bloquée au début? Oui. On va voir. Ah, non, ils nous foutent pas la paix. D'accord, tant pis. Bonjour, monsieur. Ah, bâtard. Ah, c'est plus chiant à affronter des ennemis, hein, quand t'es pas ralenti. J'ai l'impression que je lui ai fait que dalle de dégâts. Je rêve ou je suis... Voilà. Si, non, 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 je rêve pas, j'ai l'impression vraiment de lui faire que dalle. Moi, là, l'avantage, c'est que je peux sortir de la pièce. Voilà. Ceci. Voilà. Appelez-moi lâche si vous voulez. Moi, en attendant, je vais pas crever 150 fois. 5000 âmes pour Bibi, voilà. Titanite de démon. Alors, est-ce que, à part ça, est-ce que ça servait à quelque chose cette histoire là? C'était vraiment juste pour buter un démon à la con? Ah bravo, super, vachement utile. Continuez ici. Alors, qu'est-ce que nous avons par ici? Nous avons donc l'extérieur. Toi, est-ce que tu serais pas un peu invisible? Non, pas du tout. Alors, nous avons donc... tac, 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 tac... Oh, putain de merde. Bon, d'accord. Oh, tu crois que je t'ai pas vu, toi, là-bas? Oh, putain, lui, je le laisse tranquille. On va tâcher d'avancer. Ça cause bruit. Il y a un forgeron en dessous. Putain, c'est un espèce d'og géant. Est-ce qu'il est gentil, celui-là? Je crois me rappeler dans le backup qu'il était gentil. On va aller le voir. Grosse respiration. Ah, il y a des putains de démons. Oh, je crois que je suis de l'autre côté. Allez. J'ai mes armes. Tant pis. Nous avons donc maintenant le gros monsieur qui est juste ici.
vous sentez l'orbe de l'œil noir trembler. Ah, c'est là qu'il est. Le grand monsieur qu'on doit tuer. Oh merde, il y en a deux. Il peut grimper. Oh merde. Je pensais pas qu'il pouvait grimper. Oula, oula, oula. Des sorts d'explosion. Va te faire foutre. C'est quoi ça? Quoi? Il s'est régène toute sa vie? Vous êtes des bâtards. Viens ici. C'est ça. Viens mon gros balourd. Allez, viens. Je vais voir par ici. Tiens, c'est pas un truc. C'est pas la grande porte, ça? Ah, sur moi, ça vaut la grande porte. Oui, putain, comme ça on n'aura plus besoin de se faire chier. Oh, parfait. Vite, je récupère mes âmes, on va aller au feu. C'est quoi, j'ai tenté un truc, voilà. Envahir le monde de l'assassin de la gardienne du feu. Voilà. Dans le pire des cas, là, c'est pas grave si je meurs. La porte est ouverte. Du coupable, le chevalier l'autre. Ah, c'est... Ah, d'accord. Oui, ça, non, par contre, j'avais oublié. Par contre, attends. Non, c'est ça. Voilà, pardon. On va faire en sorte. Est-ce que je peux vous attirer un par un? Parce que... C'est pas que vous m'inquiétez. Mais je suis sûr que vous faites bien mal. Mais je peux pas. Mais boire ta potion. Mais j'ai dû attendre qu'il parle pour boire la potion. Mais vous êtes sérieux? C'est bien, reste coincé toi. Le trek est bugué, ça me va. Aïe, 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 aïe. Ah merde, il est plus bugué. Ta mère. Ta putain de merde. Attends, rassure. Oh putain, non, mes âmes. Retrospect avec tes mains dessus. Mais voilà, non, j'ai gardé mes âmes. J'ai gardé mes âmes. Rassure-moi. Tout va très bien, j'ai gardé mes âmes. Putain, merde. On va mettre en commun. Putain, c'est lui que je visais. Et voilà. Et voilà, Lautrec est vaincu par le chevalier sanglier sans aide et sans une seule fiole. Cible détruite. Souvenir de représailles. Je sais pas du tout ce que ça sert. Le coupable expie. Retour de gain de souvenir de représailles. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça, du souvenir de représailles? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une anneau. Âme de gardienne du feu, anneau de grâce protectrice. D'accord, qu'est-ce que c'est que ça, l'anneau de grâce protectrice? Ça m'intéresse. Augmente PV, endurance et charge, détruit si OT. Ah merde. Bah, tu sais quoi, voilà. Augmente PV et charge, voilà. Ah oui! Ah oui, 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 ah là je veux. Ah là je veux. Bon, on a déjà une armure bien stylée, on va se contenter de ça, hein.
Bon, et eh ben je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis chaud, j'ai l'impression d'être en veine. Donc du coup, je vais me tenter les boss. C'est parti. Boss. Oui, voilà. Oh putain, non, j'ai vu des vidéos de... Oh non. Parce que oui, si vous avez pas deviné lequel est le boss, eh ben c'est eux deux. Putain. Le tueur de dragon est... Ah putain, d'accord, d'entrée de jeu. Ah mais il faut... Wow, 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 wow. C'est quoi ce mec? Putain, mais il s'est redirigé en plein sprint. Attends, une seconde messieurs, voilà. Voilà. À mon avis, il faut utiliser ça un peu. Ce que j'aime bien avec les boss, c'est que quand tu les tapes, ça sert à rien, ils réagissent pas. Et surtout, tu leur fais pas de dégâts. Et moi ça, putain. Bah ok, c'est sûr et certain, il me faut du monde là. J'y arriverai pas tout seul. J'y arriverai pas tout seul. Voilà. Ça, c'était sûr et certain. Je vais m'utiliser humanité. Je vais invoquer des gars parce que là c'est pas possible tout seul, c'est impossible, je n'y arriverai pas tout seul. Là il est moins dangereux que tous les boss que j'ai eu. Tiens, Spook est mort. Ah, il y a l'autre mec qui a tué Spook tout seul. Mais félicitations mec. Pourquoi il y a une cinématique? Eh mais j'étais en train de le taper, s'il vous plaît. Oh putain, il a aspiré son pouvoir. Ok, ça je l'ai vu dans une... Ça y est, je m'en rappelle, dans une vidéo. Oh, il a récupéré toute sa vie. Merde. Oh, il est deux fois plus grand. Pourquoi le mec il... Qu'est-ce qu'il a fait? Aïe. Oh, il m'a fait très mal. Il a fait très très mal. On arrive à bien lui faire mal, c'est bon. Aïe, je me retire. Ta mère. Non, 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 non. Oh merde, mais non. Pas là, pas si près du but. Putain. Fais chier. Tout ça à cause de l'autre con là qui a essayé de repartir. Connard. Pourquoi il met sa marque s'il veut pas venir? Ah, ça fait gaspiller des humanités aux gens, ce connard. Mais je rêve, je tape dans le vide. Voilà. Mangez vos putains de morts. Armes dance time. Merci. L'anneau du lion. Une humanité, une médaille solaire. Allez, j'ai au moins une humanité de remboursée. Et 50 000 âmes. Putain, ça fait du bien. Nom de Dieu. Je vais pleurer. Un feu! Oui! Oui! Oh là, je dis... Oh, je dis oui! Ah là, là, oui! Ah oui, oui! Ah oui, oui, oui! Oui, passez, oui, oui! Oui, oui! Avec Sandro Taxi! Bon, la test de ma marque n'a rien donné, donc du coup, on va se contenter d'avancer. Alors, coffre incroyable droit devant. Ça, je viens de croire. Alors, qu'est-ce que nous avons derrière ce truc? Oh! Oh. Ça y est. Thou hast journeyed far and overcome much, chosen undead. T'as pas idée. S'agenouiller. Oh, chosen undead, I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight. Since the day Father his formed it obscureth, I have awaited thee. I bequeath the Lord Vessel to thee. Calice royal. D'accord. Téléportez-vous d'un feu à un autre. Oh, génial! And beseech thee.
succeed Lord Gwyn and inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight and avert further undead sacrifices. Oh, chosen undead, thou hast... Vous avez fait un long voyage. Je peux prêter serment ? Serment de garde de la princesse. Non, désolé. May thou be one with the sun of evermore.